Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 21h moins le quart, 20h45, heure locale. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta bonté, ton amour. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs et l'équipe technique également, Seigneur, dont les cœurs, Seigneur, les cœurs sont disposés pour te servir. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Voilà. Alors, nous avons deux sœurs qui partent en mission en Chine. Elles partent en Chine en mission pour, bien sûr, témoigner l'amour de Christ, du Seigneur Yeshua et partager l'Évangile. Et elles vont nous dire un peu pourquoi elles partent là-bas et surtout comment est née, hein, d'où vient cette vision. Cette envie d'aller comme ça en Chine, alors c'est un pays assez fermé à l'évangile et voilà, et deux femmes qui partent comme ça à l'aventure et bien sûr avec le Seigneur, hein. Et ça a commencé quand? Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Alors. Alors en fait, c'est né en fait avec notre sœur Céleste. Je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle. Mm-hmm. Elle est venue faire ses études. Céleste, c'est une sœur de Chine. C'est ça, c'est voilà. Une sœur de Chine. Son nom en chinois, c'est Chunlen. Chunlen. C'est ça, c'est voilà. Ça son vrai nom en chinois. En fait, elle est partie en Chine l'année dernière. Elle est rentrée au pays, quoi. Voilà, d'accord. Après ses études. D'accord. Et du coup, moi, j'avais quand même à cœur d'aller la visiter. Voilà, le Seigneur a mis ça à cœur. Et après, Céleste, elle a demandé à la sœur Laurie de venir. Et c'est comme ça que le projet est né. Waouh. Et voilà. Waouh. Et donc, vous vous êtes dit, ben, écoutez, on va partir là-bas. Et donc, vous partez toutes les deux, bien sûr. C'est ça. On part vendredi. Ce vendredi. C'est ça. Pour combien de temps? Pour 15 jours sur place. 15 jours. C'est ça. Waouh. Le micro, je ne sais pas s'il est allumé. Oh oui, c'est bon, il est allumé. Et juste à cette caméra-là, les gens, ils te... Voilà. Voilà. Donc, 15 jours en Chine. Donc, c'est la première fois que vous allez en Chine. Oui. Est-ce que... C'est ah bon ça. En fait, le Seigneur a permis qu'on marche ensemble, qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble à travers ce projet-là, en fait. D'accord. Et une amitié... Wow, bah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et vous partez comme ça à l'aventure, par la foi bien sûr, et qu'est-ce que vous comptez faire sur place, une fois sur place? En fait, pour l'instant, on sait qu'on arrive à Pékin. D'accord. Donc samedi matin à 5h15, donc déjà on ne sait pas trop comment ça va être. D'accord. Et la première chose qu'on doit trouver, outre de savoir où on dépose nos sacs, etc., c'est qu'il faudra, en fait, le Seigneur nous a montré un moyen d'après de pouvoir rejoindre la sœur Céleste. Parce qu'en fait, quand on regarde la Chine, Pékin, c'est vraiment plus au sud. Effectivement. Et en fait, la sœur Céleste est à Shenzhen et c'est vraiment limite Hong Kong. Donc et en fait, il y a 2400 kilomètres. Wow. Sauf qu'en fait... entre Pékin et là où elle est. Et Shenzhen. Sauf que pour l'instant, on n'a pas de moyen d'y aller. Voilà, mais le Seigneur vraiment nous a mis à cœur en fait le train. C'est combien le train? Ça coûte combien? Je crois que c'est 150, un truc comme ça. En fait, ça fait 946 yuan, un truc comme ça, et du coup, ça fait dans les 146 euros, un truc comme ça. Toutes les deux, quoi? Non, chacune. Waouh. Mais en fait, pour l'instant, c'était... Aller-retour, c'est ça? Non, en fait, on fait juste l'aller. L'idée, c'est d'arriver à Pékin. Mm-hmm. Ensuite, on reste 6 jours, je crois, avec 5 nuits. Ensuite, de trouver un moyen d'aller à Shenzhen, mais on a vraiment beaucoup plus à cœur le train, et notamment parce que le Seigneur m'avait donné un songe, où d'ailleurs tu étais dedans, en fait, tu parlais, et en fait, tu nous disais de, ne, pas, en fait, tu disais de ne pas s'inquiéter, qu'on allait pouvoir voir en fait, comment vivaient d'autres chrétiens qui étaient persécutés, mais que surtout, en fait, tout le long du voyage, il ne fallait pas qu'on s'inquiète parce, que, parce qu'en fait, Christ était avec nous. D'accord. Et ensuite, après, on nous emmenait et on était mis dans des trains. Et vraiment, j'avais ça à cœur et la sœur aussi. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur, en fait, on ne se connaissait pas. Et à chaque fois, en fait, on a demandé au Seigneur de baliser le voyage. Et c'est ce qu'il a fait, et jusqu'au point de donner vraiment les dates précises et la compagnie aérienne. Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas. David est parti, là? Laurent, on va... si David peut venir, je sais que c'est pas... On se laisse guider, hein, même si on fait du direct. Bon, on n'est pas religieux... c'est pas une télé, je veux dire, c'est une télé, c'est la télé du Seigneur. Donc, ça veut dire que s'il nous dit appeler telle personne, ben on le fait. Et David, les deux sœurs, là, que voici, que, comme tu le sais, partent en mission. C'est pas des femmes qui sont sur leur canapé en train de faire le ministère du canapé ou en train de faire des choses sur YouTube. En tout cas, elles vont sur le terrain.
Et ça, c'est des initiatives, comme vous le savez, frères et sœurs, à encourager. Donc TV de Vie est partenaire, bien sûr, de frères et sœurs, enfants de Dieu dans le monde entier, qui ont à cœur la mission, qui ont à cœur l'évangélisation, qui ont à cœur l'œuvre du Père. Et nous voulons effectivement encourager toutes ces initiatives et aussi participer, comme la parole le dit. Donc, alors, les frères et sœurs qui sont chez eux, je pense que beaucoup aussi veulent participer, prendre part à cette mission. Pourquoi pas ? Il y a aussi des orphelins peut-être là-bas à nourrir. Et je pense que vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez, si vous voulez les soutenir. Vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Donc, c'est une mission pour la Chine. Et on doit encourager ces initiatives comme le royaume, comme le Père nous le demande. Voilà, donc nourrir les orphelins, pourquoi pas là-bas, nourrir des veuves, pourquoi pas. Et elles ne partent pas en vacances, elles ne partent pas pour bronzer, mais elles partent dans un pays fermé à l'évangile pour annoncer Christ. Alors moi je voudrais aussi prendre que TV de Vie, prennent part aussi à cette mission, David, Laurent, l'équipe technique, mon frère Gérard, Benoît, tout le monde. Et qu'est-ce que tu en penses un peu, David? Je sais que tu peux nous rejoindre un peu là, vite fait. Je sais que voilà, ouais, t'es bien coiffé, pas de souci. On va t'afficher un peu. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses un peu là, honnêtement? Non, c'est beau en fait. C'est encourageant, c'est beau. Et puis ouais, c'est clair que ça, c'est à encourager aussi. C'est une bonne initiative, surtout que c'est à l'origine, c'est le Seigneur. Donc comme c'est le Seigneur, c'est bon. Ouais. Ah, si, c'est bon, ok, parfait. Donc voilà, en tout cas, gloire à Jésus. Alors, ils peuvent nous appeler, les gens, quand même, ils sont libres de nous appeler là ce soir, David. Non, c'est pas interdit d'appeler. Donc, les frères et sœurs, vous pouvez nous appeler pour encourager quand même deux femmes qui veulent aller en mission. Et le Seigneur a ouvert des portes, elles ont pris leur billet. Et c'est des femmes qui aiment le Seigneur et suivent aussi les enseignements que le Seigneur donne, hein, et qui sont encouragées. Et Nirina, qu'est-ce que tu en penses un peu, toi qui vis à Londres, qui... Je suis très contente. Tu es chrétienne aussi, oui. Oui, je suis très contente. Nadia, justement, c'est ma sœur. C'est ta sœur, où est-ce que j'allais dire? C'est ma sœur et Céleste, c'est ma sœur aussi. C'est mon amie de la fac, en fait. Oui, on s'est rencontrés. D'accord. On s'est rencontrés à la fac, Céleste, d'accord, et moi. J'aurais voulu, moi aussi, y aller. Mais les dates que le Seigneur leur a données ne correspondent pas à mon calendrier, mais en tout cas, enfin, je les encourage vraiment et je sais que le Seigneur va beaucoup les surprendre là-bas et qu'elles vont vivre des expériences nouvelles et qu'elles auront beaucoup de témoignages à nous raconter. Et ma prière, c'est qu'elles puissent vraiment être une bénédiction pour les personnes que le Seigneur mettra sur leur route et je sais que le Seigneur le fera. Ça, c'est une belle aventure, c'est très encourageant. On encourage en tout cas les frères et sœurs à faire l'œuvre du Seigneur, ne pas aller en mission n'importe quoi, comment, mais vraiment à répondre à l'appel du Seigneur. Et quand il y a des besoins, le Seigneur revient, il faut bouger. Vous savez, nous sommes beaucoup, nous focalisons beaucoup sur la mission parce que c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et on sort nous-mêmes d'une longue mission au Canada et États-Unis. Donc je tiens particulièrement, personnellement, à dire merci aux frères et sœurs des États-Unis, du Canada, qui nous ont agréablement surpris par leur amour, par leur charité. Ceux de Montréal, de Toronto, de Québec et ceux de Boston également. Donc voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Ah, on n'entend rien. L'équipe technique va pouvoir nous aider parce qu'on n'entend pas le frère. Oui, frère, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. J'appelle par rapport à l'émission de ce soir. D'accord. Comment peut-on faire pour aider ces deux jeunes filles je pense qu'elles auraient besoin d'argent, je suppose, non? Effectivement, oui, effectivement. Elles partent vendredi. Elles partent vendredi. Et comment peut-on faire pour les aider? On envoie des dons sur TV de Vie habituellement, quoi. Effectivement, oui. D'accord, d'accord. Et pour donner un message aux chrétiens sur TV de Vie, comment je peux faire en direct? Il y a moyen? Vous avez un message à faire passer? Ouais, un message actuel que je pourrais donner. Allô? Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer sur place, il n'y a pas de problème. Euh,
là, je suis en direct, je vois l'émission et si je parle, je serai entendu, non ? Bien sûr, là, on est en direct, vous êtes en direct, là. D'accord. Parce que là, actuellement, je suis dans la télé, ça parle, je ne sais pas comment je peux faire. Pas comment ça se passe. Là, tout le monde vous entend ? Ah, d'accord, ok. Voilà, je veux dire que je suis formé par le Seigneur dans les coulisses, chez moi. Je n'ai jamais été dans une église. Hein, parce qu'il y a actuellement un esprit, je veux dire, qui m'attaque depuis il y a 8 ans. Et le Seigneur est intervenu, il a commencé à me parler, il m'a dit que c'était normal que d'être attaqué comme ça. Parce qu'il me maintenait prisonnier. Et c'est pour dire aux chrétiens qui sont attaqués par des esprits, parfois c'est le Seigneur qui le permet, il ne faut pas qu'il... panique. Moi, j'ai cherché la délivrance pendant longtemps. J'ai même fait appel à des satanistes, ils n'ont pas pu me délivrer. Et Dieu lui-même m'a dit que c'était lui qui me maintenait dans la sanctification. Et depuis lors, j'ai appris à le connaître, voilà. Et pour dire que c'était biblique, j'ai même pensé au suicide au départ, hein, ça me faisait très peur. Et grâce à cela, et ben, Dieu me parle régulièrement. Il me parle tout le temps. J'ai des songes, des visions terribles. J'ai été 2-3 fois à l'Assemblée d'Evry. J'ai vu le frère Chora, il est très occupé. Il y a beaucoup de monde qui cherche à le voir. Et vous habitez en région parisienne ? Oui, j'habite Romainville. Vous pouvez venir nous voir cette semaine. Il y a la formation de Didasco que je vais animer, parce que je vais faire des enseignements sur la fin de temps. Et si vous passez mercredi soir, par exemple, on pourra vous recevoir, pas de problème, et échanger un peu. D'accord, je vous remercie. Ok, frère. Merci. Au revoir. Au revoir, voilà. Donc, gloire à Dieu. Donc, que le Seigneur soit béni, le Seigneur touche les cœurs des gens qui veulent participer. C'est ça, le royaume, n'est-ce pas ? Donc, voilà, que le Seigneur soit béni. Il faut encourager des initiatives pareilles et des gens qui veulent annoncer Christ. Donc, 2 semaines en Chine, c'est ça ? Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire aux frères et sœurs ? Nérina, tu n'avais pas fini peut-être ? Non, tu voulais dire merci ? Je voulais dire merci. Mm-hmm. Je voulais dire merci aussi parce que, en fait, quand on a commencé à prier pour savoir si le Seigneur devait nous emmener, enfin, et puis savoir si on partait ensemble. Moi, de mon côté, le Seigneur m'a beaucoup touchée pour l'Église persécutée. Mmh. Et j'ai commencé à découvrir plein de gens comme Hudson Taylor, comme le frère Yoon, mmh. qu'on a vu, ou alors Hansko, mmh. qui avait ouvert des orphelinats. Et en fait, c'est vraiment ce que ma sœur a à cœur. Et quand tu en as parlé, en fait, ça m'a touchée. Parce qu'à un moment, on a parlé et on regardait certaines choses, on disait, bon, on fait comment, en fait oui, on va voir qui, comment on peut participer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à ce soir, enfin, à tout ça. Et en fait, simplement être s'humilier devant Dieu, en fait, être reconnaissante, en fait, parce que c'est le Dieu qui... pourvoit. Qui pourvoit, et en fait, au-delà de ce qu'on pense. Amen. Voilà. En tout cas, TV de Vie va prendre en charge vos 2 billets, parce que c'est 150 euros. Hein, donc, le train, David va pouvoir nous donner ça. On va participer déjà pour les billets. De la part de Jésus, ça c'est le Seigneur. Nous ne sommes que des simples canaux. C'est son argent à lui. Les frères et sœurs soutiennent TV de Vie. Ouais, 2 x 150 pour leur billet là-bas. Le Seigneur, les frères et sœurs soutiennent TV de Vie. TV de Vie prend cet argent pour aider à soutenir la mission, les veuves, les orphelins et toutes les œuvres que vous voyez que Dieu nous fait faire, comme la sortie. La semaine dernière, de la BD sur les traces de Yeshua. Donc, on nous donnera, si on peut encore me donner un exemplaire là, de cette BD. Voilà, on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, mon frère Chora. Bonsoir. Voilà, moi aussi, je prends part hein, à ce voyage pour nos sœurs je vais les encourager, que vraiment le Seigneur les bénisse, les garde. Et c'est vraiment encourageant pour nous aussi parce que la façon dont le Seigneur leur a parlé, les a conduites, c'est formidable. Voilà, c'est juste magnifique. Amen. Voilà. Le Seigneur les bénisse. Et je me rappelle de notre sœur
qui s'appelle Céleste, c'est ça, hein, c'est ça, Céleste, effectivement, la sœur chinoise, ouais, qui est rentrée au pays. Oui, je me rappelle de sa de son témoignage sur le plateau, c'était très beau. Et par contre, voilà, un petit bonjour à elle, voilà, que nos sœurs n'oublient pas de la saluer de notre part, voilà. Gloire à Dieu, merci. Ouais. Voilà. Et par contre, pour participer, donc j'envoie un chèque, mais je mets l'ordre CTV de vie. Hein, tu peux mettre à l'ordre de TV de vie et comme ça on va leur donner en liquide comme elles partent. Elles partent là-bas. Elles partent vendredi. Je mets uniquement TV de vie ou. Ou tu peux mettre sans l'ordre, hein, et comme ça elles vont pouvoir encaisser ça directement. Et l'ordre de quoi ? Est-ce que ce sera quoi l'ordre ? On va mettre à l'ordre, on va donner. Je sais pas. Tu mets TV de vie. Très bien. Voilà. TV de vie, comme ça, on va s'en occuper pour. Voilà. Ça va. Excusez-nous, juste, c'est quoi votre prénom pour qu'on puisse saluer Céleste ? Autre chose ? Juste votre prénom, en fait, pour pouvoir saluer Céleste de votre part. Chora ? Oui. Autre chose, s'il te plaît, je t'ai entendu dire qu'il va y avoir des enseignements, donc Didasco. Cette semaine ou à partir de demain ? D'accord, et ça va être en direct ? Ça va être en direct pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place. Ah super, ok, comme d'habitude, donc on allume et on a le direct. Effectivement, à partir de 19h30. Ah bien, super, très bien. Ok, merci beaucoup, merci sur le plateau, que Dieu vous bénisse, à bientôt, au revoir. À bientôt, merci, tu diras là-bas, Céleste a le bonjour de plusieurs frères et sœurs de France. Et donc ça, c'est de la part du Seigneur, via tes vœux de vie, pour... le transport là-bas, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc c'est le Seigneur qui nous aide. Donc nous, ça nous touche parce qu'on voit des frères et sœurs qui travaillent. Et vous savez, ce qui nous motive, c'est le salut des âmes. Et que le Seigneur soit béni. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez, vous avez suivi certainement hier, ou samedi, pardon, on a fait une émission sur la sortie officielle de la BD sur les traces de Yeshua. Et cette BD qui est produite par notre journal Les Docimos, et les dessins ont été faits par des frères et sœurs de cette équipe, par deux frères notamment, pardon, de cette équipe. Et Nirina, tu fais partie également de cette équipe, hein, Les Docimos. Donc, quel est ton sentiment un peu quand tu vois cette belle œuvre que le Seigneur fait ? Je suis vraiment très encouragée. Parce que le Seigneur, il veut utiliser les dons des uns et des autres au maximum, en fait. Parce que dans les Docimos, avant, il y avait une petite partie à la fin avec une petite BD. Et donc, c'était bien pour les plus jeunes. Mais maintenant, de voir tout un ouvrage comme ça et de cette qualité qui glorifie le Seigneur et qui est un outil pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre à connaître notre Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Et aussi, je suis très contente de voir que c'est traduit déjà dans différentes langues. Enfin, on travaille aussi dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment merveilleux. Le message est diffusé pour tous les âges et pour toutes les langues. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ça. Merci, Seigneur. Voilà, mes amis, donc je pense qu'on a fini. Il y a quelqu'un d'autre en ligne que... Voilà, je vous appelle de la Drôme pour aider les deux sœurs qui vont partir en Chine, là, sur l'émission qui est en direct. D'accord. Voilà, et je ne sais pas exactement comment financer, envoyer un chèque. Je sais que je pourrais voir le frère Chora le 28 août sur Lyon. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, soit... Vous me conseillez, parce que je ne sais pas comment il faut faire envoyer demain sur TV de vie. Alors, donnez-moi une adresse où je remets en espèces au frais Chora le 28 août. Le 28 août, vous serez toujours là-bas, non ? Vous aurez un numéro de téléphone là-bas. Je ne sais pas comment il faut faire envoyer demain le chèque sur TV de vie. Oui, demain, TV vous... TV de vie peut avancer 100 euros et moi, je remettrai l'argent au frais Chora le 28 août. Ok, donc il n'y a pas de souci, on va voir ça. À cette réunion le 28 août. Ok, on va voir ça, il n'y a pas de souci. Merci. 100 euros, ok, pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Merci ma soeur, bon courage, merci.
En tout cas, merci à tous les frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Et les sœurs ont aussi besoin de la prière pour ceux qui se disent, bon, nous, on n'a pas les moyens. Donc, vous savez qu'on n'est pas là pour l'argent. L'argent que le Seigneur donne, c'est pour aider les pauvres, pour aider à la mission. D'ailleurs, vous voyez comment nous travaillons depuis des années. Et il y a des gens qui aimeraient soutenir financièrement, matériellement, la mission que Dieu nous confie à ses enfants ici et là et qui ne le peuvent pas. Ne vous sentez pas condamné, au contraire, vous pouvez faire encore plus, c'est-à-dire par vos prières, hein, soutenir ces deux sœurs pendant leur séjour en Chine, pendant leur mission là-bas, par vos prières, dans vos prières, et Dieu va les garder de toutes sortes d'attaques et de toutes sortes de dangers. Et vous savez, comme on le dit souvent, TV de vie est votre télé, c'est votre chaîne. Et c'est la chaîne que le Seigneur vous a donnée, nous a donnée à nous tous, pour que la vérité soit proclamée, pour que tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, quel que soit, mes amis, leur appel, et qui aiment le Seigneur, qui veulent le servir pleinement, quel que soit là où ils prient, s'ils craignent le Seigneur, ben, tes voeux de vie vont les encourager. Voilà. Donc elles partent, non pour faire des âmes, gagner les âmes pour les amener à nous, mais pour partager l'évangile et dire aux gens que Jésus-Christ revient. Et nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Oui, bonsoir. On va prendre la dernière personne. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Je veux encourager mes sœurs qui partent sur la Chine. Amen. Oui, qui partent sur la Chine. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu me faisait prier pour la Chine. Et il m'a montré les femmes, les petites filles chinoises, qu'elles mettaient leurs pieds dans des trucs, des sabots de porcelaine, pour pas que leurs pieds grandissent. D'accord. Voilà. Et je bénis le Seigneur. Je n'ai pas compris pourquoi depuis plusieurs jours, Dieu me parlait de la Chine. Donc, on comprend mieux pourquoi le Seigneur envoie les deux sœurs là-bas aussi. Donc... Ah oui, voilà, c'est ce que j'ai compris ce soir. Et oh, j'ai envie de pleurer, hein, parce que Dieu est tout puissant. Hein. Amen, amen. J'ai envie de pleurer, je ne comprenais pas pourquoi il me faisait prier pour la Chine. Voilà, mais maintenant on sait pourquoi. Donc, que le Seigneur soit béni. Et... Voilà, en tout cas... Que Dieu soit béni, mais j'encourage les deux sœurs. Hein. Que Dieu les garde, que Dieu les protège. Que Dieu mette ses anges autour d'elle, parce que c'est pas évident d'aller dans un pays comme ça. Hein. Voilà, c'est pas évident, effectivement. Avec ce dragon, ces machins-là que l'on voit, c'est pas évident. Que Dieu les protège. Amen. Amen. C'est bien d'aller sur le terrain. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je sais pas si je serais courageuse de partir comme ça. Et c'est pour cela que quand on voit des frères et sœurs aussi déterminés à répandre l'évangile partout, ben, on les encourage. Ah oui, voilà. Oui. Si Dieu me rend la capacité, je partirai. Parce que moi, j'ai quand même 60 ans. Mes enfants sont grands, mes petits-enfants sont grands. Et ceci, cela, disons que je suis plus libre. D'accord, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je suis plus libre, bien que ma maman est à l'hôpital. Avec l'Alzheimer, c'est pas évident, mais je sais qu'elle est entre de bonnes mains, est entre les mains de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, c'est tout. Mais je veux encourager ces deux jeunes sœurs. Merci, ma sœur, en tout cas. Ok. Je vous bénis, je vous fortifie, que vous allez encore plus loin avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui vous amène encore plus loin dans la connaissance et la profondeur pour annoncer l'évangile. Jésus revient. Alléluia. Pour annoncer l'évangile. Mm-hmm. Et gloire personne ne pourra nous fermer la bouche. Moi, j'ai eu un frère il y a 3 jours. Il m'a dit, le Seigneur me dit de te dire, tu fermes ta bouche, tu n'annonces plus la parole de Dieu. Je dis, c'est Satan qui parle dans ta bouche. Moi, voilà. Je me suis fait lapider. J'ai dit, va te convertir avant de me parler comme ça. On veut museler les femmes, hein, on veut museler les sœurs pour ne pas qu'elles fassent l'œuvre du Père. Il m'a dit, mais toi, t'es qu'une je suis une serpillière. Je ne suis qu'une serpillière. Comme je suis une femme, je n'ai pas le droit de parler. C'est dur, hein. Là, c'est dur. Hein. Mais le Seigneur a dit qu'il allait répandre son esprit sur les jeunes gens. Merci. Vos fils et vos filles prophétiseront et ben, c'est l'accomplissement de la parole. Il faut parler, il faut faire l'œuvre du Père. En dépit des critiques. On me lapidera, on me trucidera, on me tuera. Je dis au contraire, tuez-moi.
Je serai plus vite avec mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis ça, je ne me fais pas des amis. Hein. Ben, il faut faire l'œuvre. Faire... C'est bon que les gens parlent. C'est bon que les gens se lèvent comme ça. Ça prouve que Dieu travaille. Eh ben, j'y viens me tuer. Il me dit, je viens chez toi, je te tue avec un fusil. J'ai dit, eh ben, tu me rendras service. Je serai plus vite avec mon Jésus. Au moins, je mangerai les noces de l'agneau. Je mangerai l'agneau et je boirai le vin des noces de l'agneau. Certainement, mais comme votre mission n'est pas encore finie, je pense que vous êtes encore là, vous serez encore avec nous pour faire avancer le royaume. Et oui, je fais ce que je peux, mais malheureusement, je voudrais aider financièrement, mais je suis au RSA. D'accord. Ben, le Seigneur, heureusement qu'il est avec nous pour nous soutenir dans ces moments de difficulté, mais le plus important, c'est... Je bénis l'œuvre de Dieu, je bénis ses deux sœurs. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je voudrais aller sur le terrain. Merci, merci ma sœur. Merci beaucoup. Oh, pardon. Ah. Allô. Allô. Ok, ça a coupé. Ok, donc en tout cas, bonne mission. Merci. Seigneur, nous te confions nos sœurs, qu'elles soient protégées, qu'elles soient gardées. Seigneur, accompagne-les pendant leur séjour en Chine. Que les âmes soient éclairées, que les frères et sœurs, Seigneur, sur place là-bas, notamment notre sœur qui est là-bas, Seigneur, soient encouragées par leur présence au nom de Yeshua. Notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël et Dieu des armées. Amen. Gloire à Dieu. Merci en tout cas pour vos prières, pour votre soutien pour la mission. Hein? Donc, pour ceux qui ont à cœur de soutenir d'autres missions, il n'y a pas de problème. Il y a toujours la règle d'égalité. Quand une mission est soutenue, bon, on essaye aussi de participer à d'autres missions pour aider tout le monde. On va vraiment prendre une dernière personne, hein, parce que je pense que cette personne attendait depuis. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Ok, il n'y a personne. Ok. Alors, pour ceux qui ont à cœur de soutenir, bien sûr, cette mission, pour la mission en Chine, là, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez appeler directement TV Devi et voir directement avec les frères et sœurs. Et il n'y a pas de problème. En tout cas, que le Seigneur soit béni et puis bonne continuation. À bientôt. On reprend l'émission, votre émission. Il est minuit dans quelques minutes. À bientôt. Au revoir.